Eh bien salut à tous les amis, c'est l'employeur. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à avoir le 4x4 de la banalisée. Donc 4x4, soit LSPD banalisé, soit FBI. Dans tous les cas il peut faire les deux. Donc c'est tout simple hein. Ça va faire partie de la série des véhicules de la LSPD. Donc comme d'habitude à utiliser en RP. Donc pour cela tout simplement vous allez prendre des explosifs et péter dans la ville. Voilà, de préférence une MK2 ou une courbe à blinder. Très utile les deux. Donc là j'ai plus de missiles, ce qui fait chier. C'est pour ça qu'il faut pas tout utiliser dès le début. Pas comme moi, moi j'ai fait de la merde. Donc vous vous trouvez, vous allez dans un cul-de-sac, à un endroit un peu comme ça. Donc voici ma tenue de Jason, hein, je l'ai fait ce matin. Vous me dites si vous voulez le tuto pro. Ça m'étonnerait, elle est pas très ouf. Donc là le but c'est vraiment avoir les 4 étoiles. Bon ben, ça c'est fait. Donc à partir de maintenant il faudra faire gaffe. Parce que bon, pas tout ça mais il y aura le nul. Mettez-vous dans les encres. Parce que, bon. Après. Mais je la visais autant. Et voilà, fallait tirer aussi. Hop. Voilà. Donc là vous prenez le véhicule, vous mettez dans un coin, pareil, dans le petit coin ici. Et vous appelez le tonton Lester. Donc là j'ai 5 étoiles, hein, vous voyez comme vous êtes bien immunisé quand même dans ce petit coin. Hop là. Donc là vous appelez le Lester. Et ensuite on va se retrouver pour la réparation du véhicule. Donc là vous voyez il est éclaté, hein. Il y a plus rien qui tient, vraiment il est mort. Après il y a aussi, vous pouvez l'acheter hein, tout simplement, le Ranger. Il est bien aussi, acheter, mais bon il n'y aura pas les gyros quoi, c'est bien plus pratique de les avoir. Donc vous allez partir dans Basket Icon, Activité, une fois flèche de droite ou flèche de gauche, dans tous les cas c'est pareil. Ensuite, il y aura plein d'activités partout. Alors, de préférence, prenez une activité qui est proche de la route, hein, parce que sinon, il va pas spawn comme prévu. Donc, voilà, pas prendre ça, par exemple, là, dans les coins, comme ça, c'est pratique. Donc, ouais, on va aller dans une activité random. Du moment que c'est près de la route, c'est bon. Alors, ça, voilà, ça c'est bien. Pas près dans les escaliers par exemple. Donc là vous allez allumer les phares, donc vous allez comprendre pourquoi. Vous allez mettre les quatre roues dans le cercle bleu, hop. Et donc regardez là, les feux, les phares ils sont allumés, ou les feux, et les pots d'échappement ils continuent à fumer. Donc vous allez remonter dans le véhicule, attendre 2 secondes, vous allez redescendre, et donc là le véhicule est bel et bien éteint. Donc on va appuyer une fois sur flèche de droite. Voilà, ce sera pas long, mais t'es qu'à tes frérots. Voilà, donc là on va quitter tout simplement. Pas très dur, hein. Vraiment c'est tout simple. Hop, on revient vite dans le cercle, on marche et on fait 2 tours. En regardant le sol ou en regardant comme ça. Et voilà, il a spawn. Donc là, on va éviter de l'abîmer. Donc là il sera réparé, par contre le seul bémol c'est qu'il n'y a plus les vitres teintées. Bon c'est pas si grave que ça au final. Donc vous voyez que vraiment il est magnifique ce petit 4x4. Et bah en RP je vais vous montrer où vous pouvez vous cacher pour choper les méchants, les vilains pas beaux. Alors sachant que en RP donc là il y a le quartier hein, par exemple. Ici il y a un quartier, ici non, ici il y a un quartier et quelque part d'autre. Ouais bah là les familles, donc tout ça c'est le, là c'est le centre des gangs. Les reventes d'armes, tout ça, ça se fait principalement dans les quartiers riches et près de la maison blanche ici là, dans cette maison.
Ça, c'est tout ce qui est mafieux et tout. Donc, ce qu'il faudra surtout protéger, ça sera les liaisons entre le quartier riche, ce secteur-là et les gangs, donc ici, là. Donc, c'est tout simple. Ici, il y a un commissariat, donc ils passeront pas ici, sauf s'ils sont pas très RP, vos amis. Donc, il faudra surtout bloquer les quatre issues ici. 1, 2, 3, 4. Ici, il n'y a pas besoin parce que là, il y a le commissariat. Donc, logiquement, bah, voilà, c'est un peu chaud. Donc là, il peut y avoir vos collègues. Là aussi. Donc, ils sont obligés de passer dans ce secteur. Après, si jamais ils arrivent à passer, vous allez contrôler ici. Donc, vers là où je suis. Vous allez tout simplement vous mettre. Donc là aussi, il y a un petit commissariat. Mais bon, c'est pas la folie. Donc, regardez, c'est vraiment hyper simple. Donc là, vous pouvez tout simplement. Alors, ici, il y a trois spots. Mon préféré, vraiment. Allumer les gyros. Voilà, on les fait paniquer. Donc, un de mes spots préférés, c'est vraiment ce spot-là. Parce que du coup, on a toute la périphérie. On peut tout voir. Après, il y en a un autre aussi qui est vraiment pas mal. Il est ici. Alors, attendez, hop. Mais bon, ici, on voit un poil moins. Donc derrière cela, voilà, on voit un petit peu moins, mais bon, si vous mettez en troisième personne, ça peut passer. Après, on peut toujours se mettre incliné comme ça, hop. Donc là, on a pareil le grand axe ici. Donc ici, alors on a deux spots. Donc un de mes préférés, pareil, c'est à droite là. Hop. Donc là, on a bon, là après, il y a du choix. Donc ici derrière le buisson, donc là on a, par contre ici on n'a pas une grande vue, donc vous laissez dépasser un petit peu j'ai dit, hop, comme ça normalement s'ils sont RP ils passeront à fond la caisse parce que ici c'est le grand axe, donc tous les illégaux ils passeront à fond. Donc ici et il y a aussi comment dire, il y a un autre spot, donc il est à droite là, à notre droite il est ici. Alors regardez. Les petites ruelles sombres. Hop. Et là. Et voilà, donc là aussi on a un bon petit spot. Donc là on voit pas. Alors, faut dépasser un peu le nez par contre, ça c'est l'inconvénient. Et vous êtes en contresens. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, ils peuvent toujours passer si vous serrez un peu. Donc là, on a la vue sur un des grands axes aussi qui va du LS Custom jusqu'à la route qui monte. Donc je vous ai dit pour les quartiers riches, pour les reventes. Donc voilà. Donc là, vous avez l'astuce comment avoir le 4x4 et comment avoir. Comment dire, comment arrêter des gens en banalisé. Donc les spots. Après, ce qui est bien en banalisé, c'est que vous pouvez vous déplacer aussi parce que du coup, bah, il n'y a pas marqué police en grand. Donc vraiment vous pouvez vous balader surtout dans ce secteur, c'est là où il y aura le plus de délinquance. Donc voilà, en tout cas les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude n'oubliez pas le pouce bleu, le bouton s'abonner, la cloche des notifications et le partage, partagez en masse. Merci aux 1100 et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.